Daouda, 27 ans, originaire du Nord, vice-champion olympique, passé pro depuis mai 2009. J'ai fait circuit amateur pendant pas mal d'années et j'ai eu la grande chance d'être médaille olympique à force de travail. Et je pense que j'avais fait le tour, il fallait que je passe un cap, il fallait que je me motive pour autre chose. J'ai essayé de rester amateur après les Jeux, mais voilà, la motivation n'était plus là. J'avais fait la compétition suprême, j'avais atteint cette belle médaille olympique. Bon, d'ailleurs, il fallait passer à autre chose. Et ce qui me motive aujourd'hui dans mon sport, c'est de passer pro. Ça fait quelques mois avec le team, on se prépare sur la préparation physique plus technique. Là, c'est la dernière semaine, donc on s'affine. Le stress monte doucement, mais sûrement, comme on dit, c'est du stress positif. S'il n'y aurait pas de stress à cette heure-ci, c'est qu'il y aurait un problème. Là, aujourd'hui, il y a un stress, mais il sera transformé en positif en plus pour la réunion de samedi. À la base, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions. Donc, je ne veux pas vous mentir que je n'ai pas été voir forcément de vidéos ou autre chose. Je fais confiance à mon coin, à mes coachs, pour définir mes adversaires. Ce choix a été fait par rapport à la conjoncture actuelle de la boxe. Si on n'a pas de staff, un team, on n'est pas encadré, pour boxer, ça s'avère très difficile. Donc à un moment donné, il fallait faire deux choix, il fallait faire les bons, on ne sait pas si c'est les bons ou si c'est les mauvais. On s'accroche, ce que je fais aujourd'hui, c'est que moi je m'accroche. Personnellement, après, moi j'ai une définition du monde promoteur qui peut être différente de ce que l'on pense. Donc alors aujourd'hui, moi Jean-Marc, il m'apporte que lorsque il fait des réunions, je boxe dans ces réunions. Et comme c'est des réunions, comme Jean-Marc est un grand nom de la boxe, ça permet que je sois vu. Et voilà, que après, on sait tous que c'est à travers la communication qu'on fait doucement mais sûrement son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, j'essaie de m'entourer des bonnes personnes pour arriver à mes objectifs.